Alors, les départs, une commune que je donne que le départ, c'est 3 000 euros. Et une étape qui arrive, ça dépend premièrement du jour. L'étape du 14 juillet est beaucoup plus chère. Ça dépend du jour, ça peut tourner entre 7, 8, jusqu'à 10 000 euros. Voilà. Merci. Et le budget, le budget du tour, alors ne me pose pas la question qui fâche, hein. Le budget du tour, voilà, le budget du tour, c'est 400 000 euros. La grille des prix pour récompenser nos cyclistes tourne aux environs de 35, peut-être jusqu'à 40 000 euros. La gendarmerie, c'est 48 000 euros plus 20. Oui. Oui, mais ça. Oui, pour les 9 jours de course, c'est 40 000 euros. Plus le bouclier tarifaire, parce qu'il y a un bouclier. Chaque année, le montant qu'on a payé l'année d'avant, chaque année, il y a une augmentation de 20%. Alors cette année, ça sera les 40 000 euros, plus 20%. Et la police nationale que vous voyez pendant la traversée de Fort-de-France et que vous voyez au Lamantin sur le secteur Fort-de-France-Lamantin, eux aussi, ils sont payés, c'est 18 000 euros plus 20% de l'État chaque année. Merci. Et tout ça se passe sur l'IFM, tu viens ça? Bien sûr.